tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo cosplay. Voilà, je vais ouvrir avec vous un cosplay que j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça. Vous êtes prêts? C'est parti. Alors pour la petite histoire, en fait, à la base pour Halloween j'avais commandé un costume de Kenshin le Vagabond, comme vous avez pu le voir. Et en fait, en faisant cette commande là, j'ai trouvé un autre costume de samouraï sur lequel j'ai flashé, j'ai complètement flashé, et du coup après je me suis dit allez vas-y commande-le, c'est super beau, etc, etc. Sauf que bien sûr il est arrivé après Halloween, donc et puis pour Halloween je voulais être en Kenshin, mais du coup j'ai attendu là quelques jours pour l'ouvrir. Je voulais le voir avec vous en vidéo et pas simplement d'abord l'ouvrir de mon côté et après avec vous, donc on va galérer ensemble pour mettre ce superbe costume. Alors, faut savoir aussi que ce costume ça doit sortir d'un manga, mais je ne sais pas lequel, hein, je ne connais pas les mangas. Donc si vous, vous y connaissez un manga et que vous reconnaissez le costume, après, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Donc là, on va commencer par les chaussures. Voilà, donc c'est un premier carton là, que j'ouvre, hop. Donc ça, ce sont les chaussures. J'aurais préféré qu'elles arrivent avant Halloween, parce qu'elles auraient pu me servir aussi avant Halloween, mais c'est pas grave. Donc vous voyez, le talon est quand même assez grand, hein, voilà. Donc je vais vous en montrer qu'une sur les deux. Et petit bonus, avec, il y avait des chaussettes. Donc ça, c'était cool. Voilà, donc ça c'est le premier carton. On va mettre à côté. Ensuite, le deuxième carton qu'on va ouvrir. Alors, déjà, il y a la perruque. La perruque, voilà. Donc en fait, c'est une perruque grise. Donc je sais pas si vous allez bien voir, peut-être de ce côté, c'est mieux. C'est une perruque grise qui est quand même assez courte. Hein. C'est pas des cheveux très très longs comme Kenshin. Hein. C'est une coupe assez courte que je mettrai tout à l'heure, je pense. Hop. Ensuite, on va passer d'abord à ce gros paquet là. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, je ne l'ai pas ouvert alors que j'avais très très envie. Je vous ai attendu. Là. Alors, on va commencer par la ceinture. Ok. Ah oui, non, ça c'est pas la ceinture. Ça, ce sont... Ah ! Donc ça, ce sont pour ces éléments pour les jambes. Entre là... Hop. Je suis pas très douée, désolée. Donc ça, ça se met comme ça au niveau de la jambe. Donc là, il y a le genou, ici. Ça, ça descend jusqu'à la cheville. Voilà. Donc... Est-ce que c'est transparent? Non, ce n'est pas transparent. Hop, je vous montre. Voilà, ça se présente comme ça. C'est vraiment un tube turquoise. Ah, il y a même pour le talon en fait, vous voyez. Là, voilà. C'est pour le talon. Ok, bah, très bien. Très très bien. Voilà, voilà. Donc ça, je vais le mettre là. Donc ça c'est la ceinture, c'est le hobby. Donc après eux, ce sont des scratchs. Voilà, donc c'est très bien. Ça m'arrange. Tac tac tac. Alors sur les côtés là, vous voyez, il y a des petits crochets. Des petits crochets là et là. Parce qu'on va y accrocher d'autres éléments. Voilà, donc ça se présente comme ça. Et ça se met, je sais pas si vous allez voir sur la caméra, comme ceci. Voilà, avec la croix sur le devant. Hop, ensuite. Donc on a cet élément là qui est en bleu foncé, on va dire. Donc ça c'est le dessous du kimono. Donc je vais vous montrer comment ça se porte. Hop. Ouais, voilà. Donc ça se porte comme ça, truc du genre. Et ensuite, comme ça. Voilà, j'ai mon t-shirt et tout, donc c'est pas hyper pratique. Voilà, voilà.
je remettrai tout comme il faut après. Oh, il fait tellement chaud, ouais, donc je vais pas le mettre en fait tout de suite. J'ai trop chaud, je vous avoue. Donc voilà, ça c'est le dessous du kimono. Voilà, je l'ai plus ou moins mis. Ensuite, on a le dessus du kimono. Voilà, comme ceci. Alors, c'est mieux de ne pas perdre la manche du dessous quand même. Aujourd'hui, il fait vraiment très chaud. Du coup, c'était pas le meilleur jour pour se mettre en cosplay, mais c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a ici? Comment ça marche tout ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas, mes amis, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Donc, à la base. Ah, alors attendez. J'ai ça qui va normalement avec un truc dans le coin. Je ne comprends pas. Bon, c'est pas grave. En tout cas, ça fait quelque chose de ce style-là. Voilà. Bon. À voir, hein, je ferai mieux le mettre plus tard. Voilà, donc en fait, on voit normalement le second col dessous et le nouveau en haut. Ceci, ceci est en fait tout simplement le pantalon. Si je vais le mettre à moi, c'est mieux, vous allez me dire. Voilà, donc ça c'est le pantalon. Donc, j'imagine que le blanc, comme ça, ça se met devant. Voilà. Ça se met un truc comme ça. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez, petit truc de recul. Hein, ça met un truc de ce style-là. Voilà, ça c'est le pantalon. Et surtout, le plus important, le cache complètement craqué. Ça c'est mon tête. C'est le manteau, hop, qui va avec. La pièce un petit peu qui m'a fait rêver. Je me suis rendu compte que j'avais pas mis le micro, donc j'espère que vous m'entendrez juste avant, mais bon, c'est pas grave. Voilà, donc ça c'est le manteau. Hop. Oh mon dieu, mais il est magnifique ce manteau. Oh, juste magnifique. Pas facile à mettre, mais magnifique. Bon, vous voyez, c'est un grand manteau. Oh mon dieu, je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Je pense que j'ai très mal mis la couche de dessous, donc ça doit pas être très joli à voir, mais c'est pas grave. Voilà, c'est bien mieux comme ça. Voilà, voilà, voilà. Ah, mais non, mais reste à l'intérieur, quoi. Ah, je vous jure. Hein. On n'est pas doué en cosplay, on n'est pas doué en cosplay. Hein. Donc voilà, ça c'est le manteau. Qui ne se forme pas d'ailleurs, voilà, avec une magnifique capuche rembourrée, voilà, et je trouve que c'est magnifique, magnifique. Bon voilà, la ceinture n'est pas serrée vraiment comme il faut, d'ailleurs elle n'est pas droite, voilà, donc je la serre ronde, mais voilà, je que je m'entraîne parce que c'est un petit peu galère à mettre. Voilà, voilà, pardon. Avec le micro, c'est pas très pratique. Donc il y a le manteau qui est donc juste là, comme je vous l'ai dit. Donc on va le mettre à côté. Et après, on a d'autres éléments que je vais vous montrer.
pour les côtés. Ça se met sur les côtés comme ça. C'est plutôt joli. Donc cette chaîne-là, en fait, elle va se mettre sur le manteau normalement. Elle doit s'accrocher sur le manteau. Et va faire en fait, le tour de mes épaules. Voilà. Et elle va retomber sur le devant. Donc ces deux petits éléments là, en fait c'est pareil, ça s'accroche sur le manteau. Voilà, c'est a priori un petit popon. Et le symbole de la maison d'une famille de samouraïs, j'imagine. Mais je vous avoue, je n'en sais pas plus comme je ne connais pas le manga. Ensuite il y a aussi des gants que je trouve hyper sympathiques, que je vais vous montrer. Donc la première partie, on la met comme ceci. Et après, en fait, c'est des gants à moitié coupés. Comme ça. Donc je vais essayer de le mettre. Tant vous dire que voilà. Voilà. Le gant, ça donne ça. Je trouve ça hyper classe, enfin je trouve ça hyper sympa. Voilà. Voilà, bah écoutez, je sais pas si je vais le mettre vraiment aujourd'hui en entier parce que je vais un petit peu galérer. Mais vous allez voir de toute façon une image de moi ou moi incomplet avec ce costume. Voilà.